Alain de Staël est ce qu'on appelle un électron libre. Quand il évoque sa commune gérée par son parti, la parole a des airs de règlement de compte. Quand je vois par exemple comment fonctionne Emergence XL, qui offre des cours de sport pour les jeunes qui sont parfois plus chers que ceux du Basic Fit, pour prendre un exemple bien connu, je me dis qu'on n'est plus dans le rôle d'une commune, mais on est dans du clientélisme politique et électoral. Sur Internet, le tarif est effectivement plus élevé que dans d'autres salles privées. Sur place, on insiste sur les réductions, 30% pour les habitants d'XL ou les bénéficiaires du CPAS, et sur l'accompagnement personnalisé qui est proposé. Alors est-ce là du clientélisme? Je ne communique pas dessus. La seule chose qui m'intéresse, c'est les résultats. Aujourd'hui, on accompagne des jeunes effectivement qui sont en difficulté, qui arrivent à se réinsérer grâce à ce qu'on met en place, qui trouvent du boulot, qui arrivent à se réinsérer et reprendre des études, qui sont conditionnés quand ils font de la boxe chez nous, avoir un bulletin qui est correct, etc., etc. C'est ça la réalité d'accompagnement qu'on met en place. ASBL communal, Emergence XL bénéficie de 75 000 euros de subsides et de près de 10 équivalents temps plein mis à disposition par XL. Tous les tarifs qui ont mis en place permettent à des gens qui sont au CPS notamment de pouvoir se réinsérer, de croire en eux, parce que être bien dans sa peau, c'est aussi être bien dans sa tête et c'est peut-être aussi pouvoir effectivement se remettre en condition de pouvoir aller trouver un travail. 1000 personnes fréquentent régulièrement la salle de sport. Des événements y sont organisés, comme ici en novembre. Béa Diallo, président, est très présent sur place, a visiblement omis de déclarer ce mandat en 2016. Il promet de corriger en précisant que ce mandat de président est totalement gratuit.